Yeah, yeah. Appelle-moi extrémiste, ex-bécis qui dresse ses lignes fraîches précises. Ça va te changer du mainstream et leur texte très lisse. Appelle-moi celui qui rêve de ses victimes qu'on laisse revivre. On a les noms de nos vrais ennemis qu'on en dresse des listes. Contexte pénible, l'homme un démon calé dans l'ongle. Appelle-moi celui agissant dans l'ombre qui reste crédit. Appelle tes collègues, je vais ni dans le calme ni dans le détail. Appelle-nous colère, tant qu'on les appelle encore bétail. Appelle-moi pavé dans la marchandise. Si elle est composée de quartiers, tant de cadavres, on se vacame en guise de danse macabre. Je rêve que les spectres de ceux qu'on massacre. Maudit, ceux qui s'en tapent grave finissent par en rire. Appelle-moi le cauchemar hantise. C'est lobby que l'argent guide. Suis que les dames j'en vise. Et là je mentirais si je disais que j'ai pas la rage. Avec mes quatre apaches et tous, on se tue à la tâche. Pour ceux que t'appelles les animaux, le terme est rabaissant. Ceux qu'on frappe descendent et la naissance. Pour eux je viens froisser le sang. Appelle les aides sentillants, doués de sentiments, crevant en silence. Non, c'est, ça m'en fout quand j'y pense. Appelle-moi antispé, un tantiné, engrisé, tant qu'il dé. Cime du canard au sanglier, cadavre empilé, grande densité, densillée. Pour des égoïstes qui veulent en tirer ou en griller. Ici c'est QLS que la salade. Carniste en PLS, je leur passe le salade. Carnage à tous les égards, à base de carcasse, de barbac. Tu tombes à la race, mais t'as les mains sales. Je m'installe comme une garniture dans ton assiette. La cagoule, c'est la procédure pour te gâcher la fête. ALF en scrète, ça c'est F en chaîne. On va pas attendre que ce soit les gars ni qu'ils comprennent. Pas le temps de terre, j'y verser ce front exterminé. On gagnera pas la lutte à coups de cucurbitacé. Encore un énième son sur l'antispécisme. Histoire que tu captes, c'est pas une histoire de régime strict. Ma rétine frie quand la bêtise prime. Ça bègue dans le crime, le bête subisse. Qui empoche Travis, pierce des lettres du vice. Ce qui se profile n'a rien de clean comme ton plaisir gustatif. Gustatif. On sait même plus comment commencer. Ah ouais? Comment commencer? Mais si. On sait même plus. Vas-y. On sait même plus comment commencer. Vu comment c'est carniste, rivalisme, mensonge comme on sait. Mais songe que dans le foncé, les bêtes qui sont offensées. La nature tout à l'homme, ça sonne comme la France aux Français. Ah. Non, y'a pas matière à romancer. L'homme a son garde-manger plein de cadavres et doit renoncer. Quelle bande de lâches, ceux qui s'en relâchent veulent nuancer. Moment est venu de prendre les armes, non plus d'argumenter. Pour alimenter leur lubie, les lobbies mentent. Éviter de compter sur mes amis, remonter pour les complimenter. On veut pas de cage plus grande, d'abattage mieux réglementé. Tant qu'ils exploitent les bêtes, les abattent, y'a pas de quoi se vanter. Mais tous ces gens déjantés voudraient qu'on trouve vraiment très cool d'éventuellement mieux traiter la bête pour un jour les ventrer. Le groupe au complémenté, pas besoin de se complémenter. Paraît que manger de la viande d'éleveur, c'est bon pour la santé. On va me chanter que je suis dans le radicalisme. Je réprouve qu'on brutalise les bêtes, je suis dans l'animalisme et le groove. Traite-moi d'excité de ouf tant que l'animal brisé souffre. Le procès de tous ceux à qui cette souffrance profite et s'ouvre. Je suis le djihadiste des poules, des foules d'autres méprises et couses. Je dis que ces grands groupe capitaliste s'applique à viser le flouze. Tous ces sales types les bouffes, le véganisme, je l'épouse. La rage, ça file la niaque, tout comme la vitamine B12. Oui, la viande a le goût de souffrance. Donc réflexion pour me remplir la panse. Oui, c'est barbare, l'exploitation animale. De mon point de vue, rien de plus occidental. Véganos, micro-réflexion, industrie. Mieux manger, c'est lutter pour notre survie. Abattoir, système capitaliste. Comment tuer gratuitement, délire populiste. Faut être con pour la chasse ou consanguin. En même temps, ils se foutent de nos gamins. En général, ça pue le beauf, le collabo. Islamophobe de surcroît, la totale, un salaud. PPA de belle tradition, fils. Rêve de viandard, de jolies milices. Nous opposons à ça, comandante. De l'armée de Gaïa, adelante. Avec mes quatre apaches. Que la salade. Avec mes quatre apaches. B12. Assis mes gouttes. Quatre apaches. B12. Ça va être Jean historique. Jean historique. Thank you.
Bon, on va arrêter de parler. On va laisser les MC venir délivrer ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont préparé. Ça va dégénérer, ça va péter. Oui, monsieur. Oui, oui, oui. Vous allez fuir. Oui. Celui que je vais annoncer là, je sais pas, il y a plusieurs titres End of the Week. Il a enchaîné sur 3 ou 4 victoires de suite au RC. Faites un maximum de bruit pour R.E.S. Yeah, 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 yeah. Ça va, R.E.S. On a encore un comeback. C'est une légende, on peut dire ça. On peut dire ça. C'est son retour au Rap Contenders. Faites un maximum de bruit pour l'homme que l'on nomme Voitech. Il fait ce qu'il veut, c'est sa scène. Bon. Hey. MC à ma gauche, présente-toi. 1-1-1, R.E.S. Voilà, le crew c'est B12, ça vient du 06. Moi je suis ravi, je suis ravi d'être ici. Et puis Voitech, t'inquiète poteau, je vais m'occuper de ta goule. Tu feras gaffe par contre, t'as encore quelques traces de sperme de l'unique sur ta cagoule. MC à ma droite. Bonsoir. Et moi. Je précise pour le préfet de Paris que c'est légal. Il s'est présenté ou s'est pas présenté du coup? Dis bonsoir, la politesse. Bonsoir, je m'appelle Voitech, je suis ravi d'être là. R.E.S, premier round quand tu veux, let's go. Yeah, yeah, yeah. J'affronte Voitech. Dans le fond, un gentil mec, l'antithèse de ceux qui kick sale. Plutôt un dixa qui brandit le sgeg comme si c'était vital. Gênant comme une envie de yèche, mais surtout le mec qui gagne même quand il sort 3 rounds avec une anti-sèche. Une anti-sèche dans un battle. Non mais fils, t'as vrillé. Les juges qui t'ont fait gagner devaient être si fatigués ou genre inanimés. Même dans cette merde de nouvelle école, pour ça, on t'aurait disqualifié. Moi, à peine je fais une faute, on me la reproche. On veut mettre des tas de gros tacles, des gifles. Toi, tu peux parler de ratonnade, tu sors tes faces trop dark, t'es fiche. T'as tous les droits, on me dit rien. T'es pas polac, t'es juif. Ouais. Tu valides ou? Bien sûr. Yo. Hey, confonds pas ta mère la mieux et le RC ici, c'est frapper des pouilles. Tu vas ramasser des douilles. Tu t'es trop habitué à te faire sucer. Moi, je suis venu te casser les couilles. Ouais, casse-couilles comme Voitech ou ses haters tout le temps me posant des tacles. Ouais, Ress, ils défendent des causes, ils se donnent en spectacle. Allez leur dire que je les baise, cette bande de fous, je respecte pas. Quand ces troubles faites part, je me sens comme un bouc de Lettnard dans un cours de secpa. Au lieu de tailler ce que je fais, occupez-vous de ce que vous ne faites pas. Moi, qui fait que leurs os craquent. Allez-y, ramenez ces sous-fifres. Toi, tu vas me sucer après que j'ai enculé Bramzo, ça va te rappeler des souvenirs. Un peu. Sale fils de proxénète. T'es venu, là, c'est pas malin. Là, tu peux plus t'en tirer sans dégâts, vieux gâteux, comme une mineure tenue par la main par Darmanin et Gérard Depardieu. En dehors du battle, tu fais que des flops. Oh, j'avoue, moi aussi, ça marche pas de la balle, mes sons. Mais sur scène, je tabasse face à la pression. Je repars pas sans avoir mouillé le maillot. Comme ta femme quand l'unique passe à la maison.
Yo, ma fronte est là, c'est raide, tu n'as plus le feu. Tes flammes et tes phases font peine, elles sont ternes devant mon règne, scratch tes rêves. Je vais tellement te faire saigner du cul qu'on va croire qu'une femme fontaine a ses règles. Style. Wojtek, premier round, quand tu veux. Je sais ce que vous voulez. Je l'ai toujours su. Toi, tu préfères que je t'encule avant ou après que tu m'aies sécu? Ah, je demande par politesse, rap et respect intrinsèque, mais pas de caresse dans ton caresse, ça va riper sans trasec. Je peux pas faire monter le désir ou même durer le plaisir. Ça fait trop longtemps que j'ai pas ken et mon jus a dû épaissir. Je voudrais pas te coller sur place, laisser de la mousse dans les yeux. Mais tu ne resterais pas de glace dans mon houmous, c'est délicieux. Chiche ou pois chiche. Sans transition, j'enroule ma bite de barbelé, comme pour une IVG. Mais je me rappelle, je dois déballer un battle 100% VG. Fais chier, quelle vacherie, j'allais la jouer à Heinrich Himmler. Bah merliche pour la boucherie, ce sera un maraîcher primeur. Car oui, j'ai tous les attributs et que les meilleures références. Disons que je distribue les meilleures patates de France. Je vais t'arranger à base de wesh, allonge la fraîche, je suis pas ton pote. Tu vas manger des pêches jusqu'à en yèche de la compote. Y'a tout ce qu'il faut pour te réjouir, jusqu'à l'indigestion. Oh, tu vas tellement jouir, tu vas remettre ton genre en question. Et je vais te baiser, pauvre naïf, tu vas pleurer comme une sotte. Je vais le briser comme des endives et le sauter comme des pleurotes. Petit filet d'huile d'olive pour te faire suer l'oignon. Ah, si seulement tu pouvais goûter à mon filet mignon. Juste la langue. Tu me cours sur le haricot, mais je te prends à la rigolade. Higo, protège ton abricot ou il finit en marmelade. Prends mon zizi, c'est offert. Il en a la tremblote, là, tellement il aimerait faire des gros bisous à ta glotte. Rien qu'il mijote comme un tagine. Tu connais le tarot. Soit tu me dessales l'aubergine, soit tu me dégorges le poireau. Et une fois que tu m'auras soulagé, tu pourras rejouer les Audi. Encore un souper léger qui a dégénéré en orgie. T'es dans la cuisine de Sandy et t'as vu, tout était VG. On m'appelle WOJ, mais tu peux m'appeler BG. Et oublie pas de me remercier, avoue que je t'ai refait. Moi-même, je sais plus si c'est RC ou un dîner presque parfait. Eh, disons que je les régale, me dis pas que je suis pas un bon hôte, car en ça, personne ne m'égale. De nous deux, c'est qui le goat? Force, honneur, respect, robustesse. J'ai jamais manqué de classe, de décence ou de finesse. Et si j'en vois depuis le sommaire que des salves du percute, c'est que j'espère que ta mère est dans la salle, fils de pute. Ouais, fini, bah oui. Time. Ah, time. Time. Ok, ok. RES, quand tu veux, deuxième round. Bon, j'ai bien écouté tout ce que t'apportes. T'as parlé de tous les végétaux, mais apparemment, tu t'y connais pas trop. Donc, si tu veux, je te ramène la lumière. Ouais, si tu veux, je ramène la torche. Apparemment, tu veux manger végé. Moi, je vais faire que ça traverse en travers de la gorge. Ok, le flip était pourri. Ça arrive. Mais bon, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, on va pas... Hey, ça arrive, on va... Ça arrive, on va pas jouer les rabat-joie. Mais si tu veux, je me rattrape et en une face, je casse ta gloire. T'as parlé de charcuterie, mais ce soir, c'est le vegan qu'on voit le boucher à l'abattoir. C'est ça? Yo, bon, sur ce, est-ce que tu crois au karma? Non. Parce que t'as dit, je vous prends tous, RC, take over Aurore. Et t'es gonflé à fond, le gars Joe. Mais 6 mois plus tard, t'as perdu tes couilles contre Chief et perdu contre Bramzo. On avait l'habitude d'un Wojtek qui les broie, qui les tord. T'étais chaud, mais ils ont refroidi tes scores. Au RC Sud, t'as pas mis les formes. À cause de toi aujourd'hui, même Bramzo, il croit qu'il est fort. T'es chiant, gros. Alors que Bramzo, en fait, c'est un touriste. Il est un peu comme mes flips d'avant. Il est tout pourri. Oh. Et
Hey, mais là-bas, t'étais ridicule comme quand t'insultes l'auditoire. J'en peux plus de vos histoires. T'es arrivé la bite de Madou en pendentif, t'es reparti avec celle de Bramzo en guise de suppositoire. Pourtant, tu disais que t'étais Ragnar, impulsif guerrier des vallées scandinaves. Mais là, tu ressembles plus à un viking inclusif qui chante du Vianney Cantislav. Yo. Hey. RC18, j'ai ramené malgré la grippe ton matos et laissé Hermano le corrompu comme les flics dans Narcos. Et pas de cadeau comme le fils Santa Claus, même si tu pleures, je renchéris. J'ai mis à Parasite en sueur, de deux taches, une fumeur. Quand j'écris, je suis good doctor, je t'opère, ma plume te rend stérile. T'es Walter White, je suis ce qui fait que ta tumeur se cancérise. T'es Ragnar au-dessus de la fosse, j'épilogue mes tumeurs dans ses rimes. Je te crève dans ton propre épisode, je suis un tueur en série. Yo. Contrairement à nous, t'as dit nique sa mère la vibe qu'un riz. C'est fou, mais je comprends, cool, ouais, les goûts. Toi, tu préfères parler de foot, de zboub, dire à la foule que tu les baises. Mais du coup, là, mon cousin dans cette fin couple, et je vais te goûmer avec tout ce que tu détestes. T'as dit aussi, je suis Eminem avec une tresse. Jay-Z, Marie-Joseph. Exactement. Yo, t'as dit aussi, je suis Eminem avec une tresse. Jay-Z, Marie-Joseph. Quelqu'un lui dit qu'Eminem, c'est de la vibe qu'un riz. Si t'es Eminem, je suis Busta à Paris. Je ramène les rimes envenimées mais comme là qui twerk la tête. Eh, je ramène les... Eh, non, juste après. Je ramène les rimes envenimées mais que dire des perfs d'athlètes. Qu'on voit les faux comme toi dans l'anonymat ou faire de la tech. Je t'envoie des phases ou des phrases et qui te font même twerk la tête. Je t'élimine, c'est fini, je te stop. Comme dans Break Yannick. Yo. Et vu que t'aimes l'anal, je te ramène un boys en couve de thé, tu fit gay. Doggy style, tu ressens son prépuce glisser. Tes piercings s'entrechoquent, en ressort une zikmu stylée. Ça fait ding 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 ding. Comme au début de Steel Dre. Allez, tu peux remballer tes pauvres rimes périmées. Demain, Wojtek sur X-Top, tweet RIP. Tu fumes de l'arrière comme une Hot Wheels débridée. Son cure part en chantant Smoke Weed Every Day. Time. Time. Wojtek, deuxième round. Let's go. Alors, 5 pour la cuisine, 4 pour la déco, 3 pour l'ambiance. Par contre, il rappe comme ceux qui pensent avoir de l'importance. Hey, je reconnais que t'as du mordant et une plume un peu agressive. Mais t'oublies cependant que ta sale race est inoffensive. Tes flips, en plus d'être pédant, prouvent que t'es sur la défensive, mais puis tu vas serrer les dents pour t'en auras sur les gencives. Enfin, joue là comme tu veux, hein, ou comme tu peux, vu ton panel. Si tu savais comme t'es banal, tu serais pas si solennel. Mais c'est sacré, j'ai compris. T'as fait du rap ton talisman. T'y as consacré toute ta vie sans retour sur investissement. 15 ans d'impro et de scène, quasi en bénévole. Tu t'es fait ken et tu peux même pas porter plainte pour viol. J'ai pas toujours les mots qu'il faut, toi, comme ta chienne, t'es délicate. Nique ta mère avec ton flow, Poitou Char en 2004. Le public qui te connaît pas, c'est parfaitement ce qu'il rate. Y'a que toi qui es pas au courant que tu seras jamais roi des pirates. Mais t'as même pas l'étoffe d'un prince. Tu sais ce que t'es, frérot? Un MC lambda de province atteint du syndrome du héros. Mais t'es là, tu fais le showman. Quoi, tu fais le show même? Ça y est, t'as un pote chaman, t'as cru ta vie, c'est un shonen. Eh, sauf que je connais ton parcours, rap manga Salam Alek. Le mec qui prie 5 fois par jour, en direction de Namek. Et dans sa tête, il est au top, il s'entraîne à Konoha. Mais en vrai, t'es à Biocop, t'achètes du quinoa. J'apporte gangrène, choléra, t'apportes graines, topinambour. Quand j'arrive, tu sens mon aura, quand t'arrives, ça sent le boulgour. Gros, pour me battre, faut l'essence d'un Baudelaire, d'un Maupassant. Pardon. Pour me battre, faut la puissance d'un Draco Feniv au sang. Une plume tranchante, méchante. Tell me what you gonna do. Ça nous endort quand tu chantes. Shut the fuck up, bron doudou. Ouais, donne-moi ton feutre. Retourne au second rang. Pas grave si t'es un fils de pleutre, t'es un super figurant.
Mais ton cul, j'en fais un bagueule. Ici, tu seras jamais le boss. Je te fais fermer ta gueule comme ta meuf sur les vrais dos. Vous êtes jaloux car vous êtes seul et c'est pour ça que tu me cherches des crosses. T'as assez de couilles pour me battle, mais pas assez pour faire un gosse. Pardon, non. Force! Force! Honneur, respect, robustesse. J'ai jamais manqué de bonne humeur pour leur récupérer les fesses. Et si je crache que des flammes qui rendent jaloux Belzébuth, c'est que je sais que ta femme est parmi nous, cette grosse pute. Time. R.E.S. troisième round, okay. Quand tu veux. Yeah. Alors c'est toi, l'homme qui se branle devant des photos de sa daronne. Sympa l'ambiance. Puis là, les propos sont clairs. Faudra pas t'étonner si dans quelques années, ta fille se doite sur des photos de son père. Sale, mais en même temps, éducation, parlant d'anal, levrette. Arrête, pour elle, ça peut être fatal, peu cher. Faut que tu t'adaptes, le frère. Sinon, plus tard, dans ta rue, elle se tapera chaque alcoolique, comme ce que t'as jamais été capable de faire. Et tu sais, un truc dont on parle à peine. Moi, c'est pas que j'ai pas envie de niquer vos mères, non. C'est juste que je préfère éviter de faire honte à la mienne. Toi, putain, que t'es crade. Tu dis encore, encore, quand ton chien t'encule la jambe. T'es tellement dégueulasse. Toi, c'est le Dalai Lama qui te suce la langue. Non, mais v'là l'artiste. Sale en baiser sa propre sœur. C'est ce que les bavards disent. C'est même pas de l'inceste, c'est du barbarisme. T'es tellement souvent au fond de sa gorge, elle croit que t'es un gargarisme. Yo. Et bro, je pose la garçon, je fais ça par passion. Trop speed, bro, faut que je fasse un slow-mo pour la captation. J'ai trop de flow, c'est plus la narration, c'est de la natation. La façon, je frappe et chaque coup fend la terre. Tu t'effondres doucement, la bouche dans ta gerbe. T'avais pas vu autant de flow couler sur toi depuis l'accouchement de ta mère. La vérité, Void, t'es fort. T'envoies des coups à ta basse, mais t'es pas du tout à ta place. Aussi monstrueux soit-il, Ngannou n'a rien à foutre dans un cours de maracas. Tu me surpasses en slam, sale, théâtral, bah ma foi, je te surpasse en flow, punch, impro. Et c'est bien là que ça foire, car c'est toutes les qualités qu'un battle MC doit avoir. Pour finir, t'as été plus sans cirer qu'une toffe de sein et t'oses te plaindre? Moi, j'ai pas besoin de te traiter de gosse de teint pour que ma prose te flingue. Là, je l'expose, c'est la fin du boss. Le RC a son nouveau boss de fin. Time. Time. Wojtek. À toi. Oui. Troisième round. Quand tu veux. Let's go. Fermez vos gueules un peu. Respect! Respect sur tes idéaux! Respect sur ton art! Le mec est cool en vidéo, hors caméra, c'est un connard! L'artiste, c'est un maestro, mais l'homme, c'est une galère! T'es comme tes plus belles impros, un amas de mots en l'air! Et pour ça, tu t'es entraîné 365 jours par an! Putain, comment t'as dû casser les couilles à tes parents! Hey yo, ça part en impro, donc laissez-moi faire! Quand j'arrive dans la cuisine, maman, la main en l'air! J'y vais même, ça. Arrêtez vos conneries. Putain de caricature, arrête de jouer l'écorché vif. Je sais que t'as pas eu la vie dure, t'es juste beaucoup trop émotif. Quand il passe devant une boucherie, il passe un coup de fil à son psy. Dès la deuxième sonnerie, ça frise les crises d'épilepsie. Tu peux pas fuir ce monde cruel envers les hommes, les animaux. Il va falloir tanner ton cuir. Sans mauvais jeu de mots. Alors bien sûr que c'est rude, hard et ardu. Toi, je parie que tu pries Saint-Jude, le saint patron des causes perdues. Lionel, t'as rien d'exceptionnel. T'es faussement sensationnel. Je t'encule toi, ton potentiel, genre hautement émotionnel. Car tu fais plus la distinction entre le fond et l'esthétique. Du coup, tu confonds conviction avec direction artistique. T'as très peu de créativité, encore moins de personnalité. Être un rappeur vegan, c'est ta seule singularité. Espèce de rappeur rétro, bloqué dans les années 2000.
T'as la devanture d'un gastro, mais le menu d'un campanile. Allez, remballe tes lyrics et ferme-la un peu. Non, t'es pas Malcolm X, car t'achètes plus de cordon bleu. Mais Muse Déçu te salue, toi qui n'inspire rien de grandiose. J'ai pensé à toi quand j'ai lu Souvenir d'un pas grand-chose. T'es plus lisse que tes cheveux. T'es plus poisseux qu'un lubrifiant. Je le trouve quand même vachement confiant pour un MC insignifiant. Mais pour moi, t'as pas d'odeur, t'as pas de goût, et le tofu, c'est pas pour moi. Mais bon, j'ai quand même pensé à toi deux fois en deux mois. La première, c'était devant un bon gigot pomme dauphine. La deuxième, c'est quand j'ai vu ton père en jupe à Porte Dauphine. Comment va ce vieux pédé qui suçait pour un paquet de clopes? À Skip, il est toujours marié avec l'autre vieille salope. Non, j'ai rien contre ta famille, à part quelques bastos. Mais toi-même, tu sais qu'en soi, j'adore les beaufs et les cassos. Tu leur souhaiteras un bon week-end, du houmous plein le museau. Moi, à la base, je voulais ken cette petite salope de Bramzo. Votre... Le champion beurette à la noix, je l'ai invité sur le tatami. Ça a parlé moitié chinois, moitié chalgoumi. Enfin bref, force, honneur, respect, robustesse, j'ai jamais manqué de poppers, d'amour, de politesse. Et si jamais, oh, par malheur, ça vous fait pas rigoler, je vous le dis du fond du cœur, allez vous faire enculer! Time! Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît! Fou battle ou quoi? Fou battle ou quoi? On va voir les juges! Salut à tous, c'est D-Ace pour le RC20. On est là pour juger le main event, Voitech contre RES ou RES contre Voitech. Déjà, c'était un bon battle. J'ai beaucoup apprécié le battle. RES a commencé très fort. Il est arrivé confiant, sûr de lui, beaucoup de flow, comme à son habitude. Des bonnes phases qui ont bien fait mouche. On sait toujours que le RC est bien acquis à la cause de Voitech quand même, mais j'ai trouvé que là, en tout cas, on a quand même senti que c'était équilibré en termes de réaction du public. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait un biais trop prononcé comme on a pu le voir dans des battles précédents. Donc Voitech, il est arrivé, il a bien répondu avec son assurance qu'on connaît. Je vais pas forcément juger du round par round, mais globalement, j'ai trouvé que Voitech était quand même un peu plus constant et que ses phases tapaient plus fort que celles de RES. En fait, RES, il avait des vraies bonnes phases et je pense qu'en vidéo, ça ressortira encore mieux que ça a pu, l'être en live. Mais je pense que RES a beaucoup de phases où c'était énormément de flow, de technique, etc. Mais du coup, il perdait en fait le contact avec la foule, tu vois. Il était plus dans la performance lyricale que dans le fait de s'accaparer le public, etc. Parce qu'il faut savoir qu'un battle, c'est beaucoup le fait de prendre le contrôle de la salle, tu vois. Et je pense que c'est ce que Voitech a mieux fait sur ce battle. Donc c'est pour ça que je lui donne. Mais franchement, le RES n'a pas démérité. Si on devait faire du round par round, je pense que ce serait 3-0, mais ce n'est pas du body bag. C'est un 3-0 où l'adversaire s'est très bien défendu. Voilà. Peace. Yo l'équipe, c'est Mabec, au hasard représentant. Les open mic, les contests de rap, c'est chez nous que ça se passe sur Paris. Je suis ici pour juger un battle et pas des moindres. Le main event, évidemment, Voitech contre RES. Gros battle, comme on peut s'y attendre. Très clairement, j'ai donné mon vote à Voitech. J'ai donné mon vote à Voitech et je vais expliquer pourquoi. Voilà, on savait, c'était le retour du GOAT. On savait qu'il reviendrait avec un gros niveau. Il pouvait pas se permettre de faire autrement, tout simplement. Il revient d'une longue absence. Il revient après une lourde défaite contre Bramzo. Donc clairement, ça valait pas le coup pour lui de venir si c'était pas à son meilleur niveau. Et je trouve qu'il l'a fait, pas son meilleur niveau, mais un de ses meilleurs niveaux. Il est arrivé en faisant du Voitech. Du Voitech comme il avait l'habitude de le faire à l'époque où personne pouvait le battre. Donc déjà, dès lors, c'était très compliqué pour RES.
Le problème, surtout pour RES, c'est qu'en face de ce Wojtek, on n'a pas eu un RES à son meilleur niveau. Je dirais même qu'on était assez loin de ce que RES nous a montré lors de ses précédents battles, tout simplement. Alors, sachant que même un RES à son meilleur niveau, on ne sait pas s'il est capable de prendre un Wojtek à son meilleur niveau. Là, il ne l'était pas, donc c'était très compliqué. On peut quand même souligner, pour RES, que voilà, il avait toujours certaines de ses qualités habituelles, son énergie, son flow, sa puissance vocale, tout ça, c'était présent. Mais ses punchlines étaient moins percutantes, ses phases étaient moins percutantes que lors de certains de ses autres battles. Et surtout, il n'avait pas ses flips. Il n'avait pas ses flips, mesdames et messieurs. RES a manqué des flips pour la première fois de sa carrière, peut-être même de sa vie, j'en sais rien. Mais voilà, les flips n'ont pas fonctionné. Et les flips, c'est l'arme principale des RES, on le sait très bien. Il ne les avait pas aujourd'hui. Sans ses flips, Wojtek, je pense que c'était très, très compliqué. Après, voilà, on peut souligner aussi les angles d'attaque choisis par les deux, tout simplement. RES a eu un peu moins d'angles intéressants, a exploité un peu moins d'angles intéressants. Wojtek, il a fait le tour. Wojtek a battle RES pendant 3 rounds, sans parler du côté vegan de RES. Je crois que personne n'a jamais pu parler pendant 3 rounds à RES sans parler de son côté vegan. Et lui, il a trouvé énormément d'autres angles. Donc voilà, rien que pour toutes ces raisons, je trouve ça normal de donner mon vote à Wojtek. Gros big up aux deux, gros big up au RC, Mabek au hasard représentant. The Free pour juger le battle Wojtek RES. Battle que je pense qu'on beaucoup de gens attendaient. En tout cas, moi le premier, j'attendais cette confrontation de style. Et force est de constater que bah, Wojtek a toujours son shine auprès du public. Et aussi armé que RES soit venu avec beaucoup de flow, beaucoup de punch même. Mais en une phrase, Wojtek arrive à déconstruire toute l'énergie que RES a mis dans son projet de battle. Et du coup, bah, c'était quasiment à sens unique. Alors que moi, je suis j'aime bien ce côté, le R du RC, donc le rap. Et RES amène beaucoup de rap là-dedans. Mais force est de constater que Wojtek a l'amour du public, arrive à capter l'énergie de tous les gens qui assistent à la séquence. Et que du coup, bah, il prend quasiment chaque round, alors que RES est venu très armé. Mais hélas, pour lui, force est de constater que voilà. Wojtek l'a pris, quoi, quasiment à sens unique, je pense, sur les 3 rounds. Mais respect aux deux gladiateurs, c'était incroyable. Très gros match. Big up. Big up Rap Contenders. Tout pour la culture. Ça continue. Salut l'équipe, moi c'est Cro, Red Cup Music, Red Cup Conseil, Rap Punchline, Légendes Urbaines. Et on se retrouve aujourd'hui pour juger le battle. Wojtek, RES. Ok. Je vais la donner à Wojtek pour plein de raisons. Déjà parce que sur ce jeu-là, il est intouchable. Je pense que RES arrive avec un premier round solide, mais face à Wojtek, il suffit pas d'être solide. Il faut sortir du lot, récupérer la foule, potentiellement déconstruire le perso, ce qu'il va tenter sur le deuxième round. Mais du coup, Wojtek arrive tout de suite après avec un round dans la même vague, dans la même idée sur du sale, sauf que ça punch encore plus fort. Et il l'emporte pour moi sur le premier round. Sur le deuxième, je pense que le flip un peu raté de RES, sur lequel évidemment il avait la pression, les gens l'attendent là-dessus, bah ça le sort du battle. Et derrière, on entend un peu plus des défauts qui existent chez RES, mais qu'on entend cette fois, à savoir dans son élocution, dans son articulation, un peu moins fort que d'habitude. Ce qui nous fait perdre le fil sur, qui peut nous faire perdre le fil sur les phases où il va un peu plus vite. Voilà. Globalement, le battle se poursuit comme ça avec Wojtek qui reprend encore à chaque fois un peu le edge sur ce qu'il sait faire en fait. Pas assez mis en danger, très intelligent de sa part de s'approprier le côté vegan de RES pour lui changer sa manière d'écrire plutôt que d'écrire dessus premier degré. Voilà, que des bonnes idées chez Wojtek. RES, c'est un immense battle MC qu'on espère revoir, peut-être contre Bramso. Ça se lance des pics, c'est génial ce qu'on voit. Il me tarde de voir ça. J'ai déjà beaucoup parlé, je vous laisse. Wojtek pour moi. Salut à tous, c'est SPY. Voilà, je viens de donner mon avis pour ce main event. Wojtek contre RES. Franchement, c'était un très, 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 très gros battle.
Les deux ont été très bons, mais il y en a un qui a été vraiment meilleur. Je sais pas si je vais réussir à maintenir ce suspense-là, mais en gros, pour moi, Wojtek l'emporte. Ah merde, tu vois, j'ai raté. Mais il est arrivé très très fort. Il a, on sent vraiment pris tout ce qui fonctionnait chez lui pour le mettre dans ses rounds. Son approche était plus fine dans la déconstruction. Je trouve qu'il allait beaucoup plus loin dans ses propos. Il y avait des moments où il jonglait entre les moments plus poétiques, les moments un peu plus sales. C'était savamment orchestré de son côté. RES a été très bon, mais sa magie a moins opéré, je trouve, ce soir-là. Et alors, il a raté pour une fois un flip, mais j'ai trouvé ça aussi intéressant, comment il l'a amené, en n'hésitant pas à montrer des faiblesses aussi par moment, alors qu'on lui reproche ce côté peut-être trop travaillé. Donc j'ai trouvé que de son côté, il avait bien abordé Wojtek. Il a eu des rounds et des lines qui ont vraiment bien fonctionné. Mais voilà, de manière générale, je trouve que Wojtek a réussi le pari de faire un très bon retour en mettant plein de force de son côté. Voilà, je trouve qu'il a vraiment parfait son style et c'est pour ça que je trouve que bah, voilà, la victoire lui revient. Mais big up aux deux, c'était un très très joli main event. A plus tard, des bisous. Avant de donner le résultat de ce battle, j'ai deux trois choses à vous dire. Faites du bruit déjà pour Stunner, s'il vous plaît. Elle est où, mon Stunner? Faites du bruit pour Stunner, s'il vous plaît. Yeah, 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 yeah. Ça va ou quoi, mon gars? Cabaret sauvage, c'est du genre historique. Genre historique. Genre historique. Je suis Stunner, fils de JR, d'Alexis. Et je suis un bad. Et vous êtes tous des bad. Vous êtes tous des bad. Vous êtes tous des bad. Punaise, ça n'a pas changé en fait. Toujours aussi fou. Hein. Bon, on passe à la suite. Tu sais qu'on est en retard, sinon on va se faire gronder. Exactement. Tu connais les bails. Toujours exactement. En retard. Exactement. Comme 30 000. Enfin bref, il y a un match. Enfin bref. Enfin, il y a la CAN. C'est entre lui et moi, on sait. Le rookie de cette édition 20. On en parlera en vrai. Faites du bruit pour. Saïm, s'il vous plaît! Yeah, yeah, yeah. Saïm, t'es désigné le rookie de cette édition. Faites du bruit pour Saïm! Yeah. Le battle de la soirée, les deux MC, pour nous, où c'était le battle yeah, le plus ouf de la soirée, yeah, yeah. C'est Bramzo l'unique! Yeah, 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 yeah. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? L'unique, je crois que l'unique champion qui est pas contre légende. Faites du bruit pour Bramzo, s'il vous plaît. Yeah, 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 yeah. Faites du bruit pour l'unique. Et il y a un dernier titre. C'est qui pour vous le MVP de l'édition? C'est qui? Pour vous, c'est qui? Le MVP de l'édition est qui? Le MVP de cette édition, ouais, sont les deux MC du battle, l'unique Bramzo. Ouais, 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 ouais. Voilà, faut couper en deux. Faut couper en deux. Voilà. On va couper en deux, merci aux partenaires CBD Gourmet. Maintenant, on va donner le résultat de ce battle. Exactement. Est-ce que vous avez kiffé ce fou battle? Ouais. Mais avant tout, est-ce que vous avez envie de revenir au RC21? Ouais. Attends. Est-ce que vous voulez la date? Ouais. Ça, c'est bon, ça. Est-ce que vous voulez encore des fous battles? Ouais. Est-ce que vous voulez du... Donc on se donne rendez-vous le 16 novembre 2024 au Cabaret Sauvage. Ouais. Bon allez, j'arrête de parler. Le vainqueur de ce battle est... Wojtek. Ouais. Faites du bruit pour les deux MC s'il vous plaît. Paris, merci à vous. On se retrouve le 16 novembre. On reste connecté sur les réseaux. Force sur vous, peace.